Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Fanny, j'ai 30 ans, je suis en couple depuis 7 ans, paxée depuis 3 ans. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage en rapport avec le programme de guérison du vaginisme de MAM. Donc, j'ai reçu un petit questionnaire avec des questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Donc, on va commencer maintenant. La première question. Donc, qu'avais-tu entrepris pour guérir ton vaginisme avant de nous découvrir ? Alors, avant de découvrir le programme de MAM, j'ai entrepris des recherches plutôt orientées vers des professionnels de santé. Donc, j'ai rencontré un thérapeute, j'ai vu une hypnotiseuse. Donc, sur le plan, je dirais, spirituel et relationnel, ça m'a aidée. Par contre, évidemment, sur le plan sexuel, si on doit rentrer dans le vif du sujet, malheureusement, ça ne m'a pas aidée du tout. Malheureusement, à ce niveau-là, ça n'a pas été suffisant. Après, j'avais fait quelques recherches ici sur Internet, mais rien qui pouvait vraiment m'aider en fait à lâcher prise. Donc, pourtant, j'ai essayé la méditation également, qui m'a quand même aussi aidée à me détendre, mais à lâcher prise au moment des rapports sexuels, malheureusement. Ça ne marchait pas forcément. Les exercices de relaxation m'ont un petit peu aidée. Mais voilà, c'était pas suffisant. Il manquait quelque chose. Donc, seconde question. Comment nous as-tu découvert ? Comment s'est passé le premier contact avec MAM ? Eh bien, le premier contact avec MAM s'est très très bien passé. Déjà, j'ai découvert le programme de guérison via le site internet de MAM, donc évidemment grâce à internet. Et je suis tombée sur plusieurs vidéos de MAM, où MAM racontait son parcours, qui était assez poignant, assez enrichissant. Je me suis dit, waouh, je me reconnais à travers elle, c'est un truc de fou. Et puis même, j'ai ressenti quelque chose de très fort quand je l'entendais justement à travers ses témoignages. Et je me suis dit... Et ben voilà, je vais la contacter, on va voir comment ça se passe, on va voir si j'ai le feeling avec elle, mais je sens qu'il y a quelque chose à creuser, donc j'ai pris contact avec MAM. Et depuis ce jour, ben franchement, merci MAM parce qu'elle a énormément changé ma vie. Alors, prochaine question. Comment tu te sentais avant de commencer le programme émotionnellement et intérieurement ? J'étais pas forcément malheureuse, hein, mais évidemment, sur le plan sexuel, oui, il me manquait le socle, hein, évidemment, de ma vie de couple. Donc évidemment, la sexualité qui représente quand même une part importante de la relation de couple, on va pas se mentir. Hein, à ce niveau-là, se forcer à avoir des rapports sexuels avec son conjoint qu'on aime en plus, pour qui on ressent du désir, de l'excitation, et se dire, eh ben non, ça veut pas marcher, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Alors que voilà, j'ai pensé à une époque, même pendant très longtemps, que le vaginisme passerait avec la bonne personne, et en fait, non, clairement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc le programme a énormément changé ma vie. Voilà. Et intérieurement, d'ailleurs, j'ai omis de le dire intérieurement, il me manquait une petite flamme à l'intérieur de moi qui me faisait pas sentir femme aussi. Et cette flamme, aujourd'hui, je la ressens, je l'ai. Donc, je me sens bien femme. Donc, next question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme ? Tout simplement parce que ça faisait au moins une dizaine d'années que je souffrais de vaginisme et que j'en avais tellement marre, mais tellement marre. C'était tellement pesant au quotidien de se dire, tu appréhendes toutes les relations sexuelles, tu as peur, mais tu sais pas exactement de quoi tu as peur, parce que pourtant tu ressens de l'excitation. En plus, tu es avec quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes, donc mais pourquoi ça ne veut pas marcher ? Donc forcément... ce qui m'a donné envie de rejoindre le programme, c'était ça. Je voulais connaître l'orgasme, je voulais connaître la passion, je voulais connaître les jeux, ce qu'on doit ressentir dans sa vie de couple, notamment dans sa sexualité, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que le programme t'a apporté ? Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien ?
Donc, pour répondre à cette question, ce que le programme m'a apporté, bah forcément, il m'a apporté des réponses à toutes mes questions. Il m'a apporté des clés pour creuser déjà en moi-même, sur le plan, surtout au début sur le plan spirituel, énormément. Parce que en fait j'ai compris un petit peu pourquoi je souffrais de vaginisme. C'était lié surtout à certaines choses qui me sont arrivées à l'enfance, notamment du harcèlement scolaire, certaines. Oui, j'ai connu, on va dire, la maltraitance à l'école, donc j'ai déjà été frappée à des endroits intimes. Donc oui, de toute façon. C'est pas par hasard, je pense. On se protège, l'organisme veut se protéger, donc les organes, enfin, on se protège d'une certaine manière quand on est enfant, on met en place des mécanismes de défense, inconscients évidemment, et ce qui fait que ces mécanismes-là sont là pour nous protéger, mais pas toujours comme il faut en fait. Voilà. Mais oui, le programme m'a apporté énormément, et puis même, voilà, de comprendre aussi et puis de voir qu'au final les réponses étaient sous mes yeux. Mais c'est des choses que je pense qui étaient tellement douloureuses à soulever que je n'avais pas le courage en fait de gratter, parce que voilà, forcément comme c'est douloureux, on veut y échapper, donc on se trouve des excuses et puis c'est comme ça qu'on n'avance pas. J'ai attendu trop longtemps, donc voilà. Question suivante. Et intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue depuis ta guérison? Alors moi, depuis que je suis guérie, comment je me sens? Je me sens déjà beaucoup plus femme, ça c'est clair. Puis je me sens connectée à mon chéri. Et puis j'ai surtout un désir d'enfant maintenant aussi, qui n'était pas là avant. Il y a encore quelques années, il y a même encore peut-être un an et demi, jamais je n'aurais voulu d'enfant. Aujourd'hui j'en veux un, donc évidemment oui, je pense que c'est aussi dû au programme, c'est grâce au programme aussi, ça m'a débloqué certains déclics et du coup je me sens prête aujourd'hui, voilà, à ce niveau là alors ensuite, ce que ça a changé dans mon quotidien, évidemment ça a changé le rapport aux autres. Je sens que mon entourage me voit différemment. Je sens qu'aujourd'hui, on me voit comme une personne adulte et responsable, qu'on me fait plus confiance aussi, et que on me voit aussi comme quelqu'un de fiable, d'épanoui, heureuse. Je suis heureuse dans ma vie aujourd'hui. Donc forcément, ça change énormément de choses. Et je sais aussi dans quoi j'inspire, ce qui n'était pas le cas aussi avant. Donc ensuite, en combien de temps as-tu réussi à guérir? Alors moi, j'ai pas guéri tout de suite. Hein. Il m'a fallu quand même quelques mois. Hein. Il m'a fallu à peu près, je dirais, 10 mois. 10 mois pour me jeter à l'eau. Alors après... j'ai pris mon temps, voilà. J'ai voulu prendre mon temps. C'était pour moi quelque chose d'important. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Et dernière question, que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que tu le recommandes? Une femme qui hésite à rejoindre le programme, je lui dirais vas-y. Tu seras écoutée, tu seras aidée au quotidien. On va t'accompagner et tu verras les réponses, tu les as devant toi. Donc... tu vas voir, tu vas y arriver, tu vas guérir. Si nous avons réussi à guérir, tu réussiras également à guérir. Et évidemment, je recommande le programme à 100%. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai bien répondu à vos attentes au niveau, je dirais pas à vos attentes, mais que j'ai bien répondu aux questions, que je suis quelqu'un qui sait se faire comprendre. C'est dans ce sens-là que je voulais aller, en fait. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bisous, salut.